Toussaint, le pays du vin et de l'amour. Oui, c'est le souvenir que j'en ai gardé. Vous verrez que Beauclerc a changé ces dernières années. Promenez-vous à l'occasion. Vous le constaterez par vous-même. Cet endroit m'a toujours paru sortir d'un conte de fées. Chevalier errant, palais elfe. Insinuez-vous que nous sommes étranges ? Je vous prouverai le contraire. Je le jure sur le héron. Pour madame, je vais te tuer, un monstre, un coquillus, un ombre. Sacré bestiau, c'est un peu imprudent de l'affronter seul, non? L'amour ne naît point de la sagesse, sorceleur. Alors, Guillaume, pour quelle belle damoiselle avez-vous juré d'oxyr ce monstre? La plus belle de toutes. S'il souhaite garder son nom secret, rien ne l'oblige à nous le révéler. Je ne vous connais point, messire, et vous ne semblez point chevalier. Mais je vous suis infiniment reconnaissant, et même redevable. Ce trophée est à vous, messire. Un géant si près des habitations humaines? Étrange. Ce n'était point un géant ordinaire. Il s'appelait Goliath. D'après la rumeur, il était chevalier jadis, mais il aurait brisé son serment. En conséquence, la dame du lac l'aurait transformé en géant sauvage et l'aurait banni dans la colline Gorgone. Alors pourquoi est-il revenu ? Plusieurs fois par an, la faim le poussait dans les plaines. Goliath avait tué et dévoré bon nombre de bergers. La chasse de Guillaume a servi une noble cause. Quoi qu'il en soit, l'endroit ne se prête guère à ce récit. Je veux bien le trophée. Quelqu'un voudra peut-être me l'acheter. Au fait, joli combat contre le géant. Vous avez déjà combattu des monstres ? Non, aucun. À Toussaint, nous chassons surtout les brigands. Mais j'ai juré à l'élu de mon cœur de lui apporter la tête d'un monstre, comme le célèbre Gottfried, le tueur de géants. Vous ne comptez point chasser la bête, j'espère. Mieux vaut laisser ça à Geralt. Un autre défi m'attend. Et si Geralt doit chasser la bête, il faut qu'il sache qu'elle a de nouveau frappé. La rivière a recraché un corps. Il s'est échoué dans le méandre près du Cocatrix. Les gardes de Damien de la Tour sécurisent déjà la zone. Il sécurise la zone. Il vaut mieux y aller avant qu'il ne piétine les traces ou détruise une preuve. En avant dans ce cas. J'irai en ville informer sa gracieuse magnificence que Geralt est arrivé. Nous nous retrouverons plus tard près de la tente de Guillaume sur la Lys. Je vous conduirai ensuite auprès de sa majesté.